Gloire à Dieu. Amen. Micro, pas l'autre. Gloire à Dieu, c'est ce qui m'a dit. Je viens ainsi à l'heure entre des multiples actions de grâce à Dieu pour ce qui m'a dit. Parce que c'est un Dieu merveilleux, un Dieu grand. Et j'aimerais également rappeler que moi j'étais le prophète. Et chaque chrétien, chaque personne reconnaisse que chaque jour le prophète prie. On a besoin chaque matin, chaque soir, j'étais avec lui, il prononçait, il nécessaire de prier pour tous les chrétiens de l'église, la gloire de la deuxième maison, ainsi que les membres de la famille, chaque jour. Je viens en ce matin bénir le Seigneur pour accueillir plusieurs personnes la connaissent ici. Adeline, c'est ma petite sœur. Plusieurs personnes la connaissent. Pourquoi je bénis le Seigneur? Parce que Dieu n'aime pas l'ingratitude. Dieu aime quand on vient lui dire merci, quand il se manifeste. Et Adeline, le prophète a payé ses études quand elle est au lycée technique de peinture. Papa, j'ai été son enseignant de droit. Donc, et par la suite, le prophète disait toujours, ma fille, reste le Seigneur va manifester dans ta vie. Le Seigneur va te bénir, il faut rester calme, il faut rester fort au Seigneur. C'est comme ça que elle a eu une dot royale. Je pense que tous ceux qui étaient là ont constaté la grandeur de l'événement qui s'est déroulé au multiplage. Comme cela ne se faisait pas, après juste la dot, son mari a eu une ascension au niveau de son établissement universitaire comme responsable académique. Quelques mois également, dernièrement, quand on a lancé le concours d'entrée au barreau du Cameroun, il a postulé également l'entrée au barreau du Cameroun. Que cela mérite de dire merci au Dieu du prophète Emmanuel, parce que le prophète n'est pas un homme de Dieu comme le reste. Lui, il ne parle pas seulement. Ce qui m'a toujours challengé sur le prophète, moi je le disais que j'ai fait toujours des surprises, je n'oublie pas seulement comme le prophète le voudrait. Mais ce qui m'a toujours challengé sur le prophète, la particularité, c'est que lui, il ne dit pas ce qu'il ne fait pas. Sa prédication est pertinente parce que. Le prophète ne dit pas, quand il dit plein homme marié, chérie ta femme, ce n'est pas, il ne sait pas de bouche. Il y avait des jours où le prophète se levait, il parlait de la cuisine du monde. Donc, avec l'action, ça se matérialise. Il ne parle pas seulement. Donc vraiment, je pense que le Seigneur continue de bénir son serviteur. Il amène de gloire en gloire. Parents d'Adeline, dont celle que j'ai citée précédemment, sans bénir le Seigneur pour pouvoir, papa Maurice qui n'est plus là avec nous, mais parce que Dieu lui-même sait vraiment son énergie qu'il avait toujours dépensé quand il était ici avec nous. Donc vraiment, il mérite que je lui rende des messieurs dans son grâce pour papa Maurice, pour moi je sais. Amen. Vraiment, merci. Dieu nous bénisse. À travers tout ce puissant témoignage au nom de Jésus.